tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'occasion chez moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018 en espérant qu'elle soit encore meilleure que 2017. Et qui dit fin d'année dit bêtisier, hein. Pour l'occasion, je vais donc préparer un petit florilège de mes loupés lors de mes tournages. Je sais que vous en êtes friands et moi le premier. Cette vidéo démontre également deux autres choses. La première, c'est que contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, il n'est pas si évident que ça de faire des vidéos lorsque l'exigence au niveau de la qualité est de mise. Et la deuxième, c'est que youtubeur ou pas youtubeur, on en reste pas moins humain, avec des réactions humaines comme vous allez pouvoir le constater, surtout lorsque la fatigue est de la partie. Donc voilà, profitez, hein, enjoy. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente année 2018. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous dis donc à l'année prochaine, en pleine forme, avec plein de nouveaux thèmes abordés. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut. Effectuera un traditionnel tirage pouliot. Mais va te racheter une bouche, mais va te racheter une bouche. Putain. Avec la séance upper 2, la séance épaule. Ouais, classe. L'utiliser de manière constante, dans ces cas-là, ce sera plutôt oh putain le yaourt, d'avant en arrière, d'avant pour bien étirer vers l'arrière et je sais pas, je n'altérerai pas du développé militaire à la barre, tout simplement parce qu'encore une fois, l'intermédiaire, comprenez pas là au-delà d'un entraînement sérieux, schéma qui va parfaitement, qui va parfaitement sa mère quoi. Ne vous penchez pas trop en arrière, sous peine de compresse unilatérale au cadre guidé, hein, qui restera un bon exercice de substitution. Voilà, nous allons débuter cette séance après un bon échauffement au préalable. Nous allons articule ta mère. Tirage de l'épaule vers l'arrière. Donc, faites-moi plaisir. Je sais pas ce que je voulais dire. Afin de potentialiser sa merde. Voilà, le travail des pectoraux est terminé, il est temps, faut plus. Des trapèzes, étirez-moi également ses coudes un maximum vers l'arrière, encore une fois pour vous assurer. Putain, mais pourquoi je dis ça? Et voilà qui conclut cette séance FST7. Pour terminer, il est temps de passer à celui du dos avec en premier exercice du tirage poulie haute, prise neutre. Qui à mes yeux, hein, est entamé. Oh putain, pourquoi? Ainsi, hein, votre amplitude de travail. Oh putain, je suis con. Entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je vous souhaite donc cet exercice en mouvement de trapèze. Quant à la putain de sa gueule, le plus adapté. Tu voulais dire quoi d'autre? Oui, hein, ce mouvement sera initié, hein, par le tirage. En deuxième exercice, nous effectuerons du leg curl allongé. Pourquoi je bloque? Mais tu peux m'expliquer pourquoi je bloque? Prise pronation sera plus putain de ça. Avec en premier exercice, l'épaisseur de votre dos en sollicitant. Mais pourquoi je dis de la merde? Putain!